jour. Yao mes amis, bonjour! Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, c'est sûr qu'on n'a plus 20 ans et que là, ici, pourtant j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. Petite frappe du matin à répéter tous les jours à voix haute. Je mérite. Je mérite toutes les bonnes choses de la vie. Pas seulement quelques bonnes choses, pas seulement une petite partie des bonnes choses, mais toutes les bonnes choses de la vie. Je dépasse maintenant toutes mes pensées négatives et restrictives du passé. J'abandonne et laisse aller toutes les limitations du passé. Dans mon esprit, ma liberté est totale. Je vais maintenant vers un nouvel espace de conscience où je suis décidée à me voir différemment et plus positivement. Je le lis parce qu'il faut que je le lise à voix haute tous les jours, une fois par jour. Je suis décidée à créer des nouvelles pensées sur moi-même et sur ma vie. Maintenant, je sais et j'affirme que j'ai beaucoup d'estime pour moi-même et j'ai confiance en moi. Bravo, je tiens bon. Tout est possible pour moi. Je mérite de vivre, d'être comblée par la vie. Je mérite l'amour, de l'amour en abondance. Je mérite une bonne santé. Je mérite de vivre confortablement et de prospérer. Par contre, je mérite la joie et le bonheur. Bien sûr, on mérite tout ça. D'ailleurs, ça, oui. Alors, par contre, j'ai rajouté la dernière phrase. Je mérite de ne plus avoir de problèmes de santé. De gérer mon budget et dépenser comme j'en ai envie. Je le gère, dépenser comme j'en ai envie, c'est ce que je fais, mais faire attention. C'est pas action. L'univers est tout à fait prêt à manifester mes nouvelles croyances. J'accepte avec joie, plaisir et gratitude. Voilà, c'est une phrase que je répète tous les matins à voix haute. Pour que ce soit comme la loi d'attraction, je me le rentre dans le crâne, que ça ne sort pas et que j'y crois. Voilà. Plus on y croit. Une fois, il m'est arrivé un truc que j'avais mis à mon travail. J'avais mis à mon travail des photos de la Guadeloupe, des Caraïbes, comme ça. Mais j'en ai mis partout. Hein. Parce que pour moi, c'était la loi de l'attraction. C'était le tableau de visualisation. J'ai fait ça comme ça en rigolant. Eh bien, c'était pas du tout prévu. Et en fait, au dernier moment, peut-être 2 mois avant, je décide de partir en vacances, c'était avec mon ex. Et on est parti en Guadeloupe. Il y avait une chance sur 10 000 pour que je parte en Guadeloupe. Donc je me dis, qui tente rien, n'a rien. Voilà cette petite phrase que j'ai sortie sur l'ordi. Si ça vous intéresse, eh bien, je fais un copier-coller, je la mets en barre d'infos. Je la retrouve, mais je vais la retrouver. Et la retrouver. Voilà, mes amis, je vous embrasse, c'est aussi, je vous fais plein de bisous, je vous adore, voilà mon maquillage, voilà, et je vous dis à très 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 bientôt, je vous aime, si ma vidéo vous a plu, un peu, si elle vous plaît pas, rien du tout, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne sais rien, et abonnez-vous, je vous adore, plein de bisous mes amis, je vous aime.